coûtait le plus en termes de paye. Enfin, on a laissé. Jean-Baptiste Hérault, je le rappelle, vous êtes le porte-parole du droit au logement et vous appelez à manifester cet après-midi à Paris contre cette proposition de loi qui vise à sanctionner plus durement les squatteurs. Voilà. Merci d'être venu. Et on espère que le ministre Klein va réagir, hein, parce que lui-même porte, censé porter des valeurs sociales. On attend de lui qu'il s'oppose fermement à cette disposition. Merci beaucoup Jean-Baptiste Hérault. La météo tout de suite et un nouveau journal sur France Info. Vrai ou fake? C'est la question. France Info Canal 27 vous apporte la réponse. Fake news, intox, rumeurs, les informations douteuses nous inondent. Alors nos journalistes mènent l'enquête pour faire le tri entre l'info et la manipulation. Vrai ou fake? Samedi et dimanche, 11h20, avec Julien Pain, sur France Info, Canal 27. Cette semaine, il y a pas mal de polémiques. Un nom d'abord qui colle comme un sparadrap à la peau du pouvoir, McKinsey, cabinet de conseil américain, revient dans l'actualité et toujours en lien avec Emmanuel Macron. Le parquet national financier enquête sur les comptes de campagne du chef de l'État. Ensuite, nous parlerons de l'ambiance plutôt tendue à l'Assemblée nationale. C'était jeudi. Les Insoumis accusent le gouvernement d'avoir fait une obstruction parlementaire. On verra ce qu'en pensent nos correspondants. Et puis, ils nous présenteront aussi leur carte blanche, comme chaque dimanche, on verra ce qui les a marqués dans cette semaine politique française. Avec aujourd'hui pour débattre, Daniela Coman. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc correspondante pour Radio Roumanie, c'est la radio publique roumaine. Eduardo Coué, bonjour Eduardo. Bonjour. Correspondant américain pour I24 News. Bonjour Joab. Correspondant israélien pour la revue Coteret. Bonjour et donc merci à tous les trois de participer à correspondant. On utilise donc souvent cette image du sparadrap, vous savez le.
notre dame limite.